Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de Final Fantasy V Pixel Remaster. Et il est temps d'aller chercher Oda, en tout cas d'essayer d'avoir Oda. Pour ce faire, nous allons aller dans les sous-sols du château de Bâle. D'ailleurs c'est un bon spot pour farmer les poids de compétences. Surtout si vos personnages ont la magie bleue mort, je pense que ça s'appelle. Je me suis déjà placé en... Parce que sinon ça va être l'enfer. Bah il y a la compte... Si je prends les magies bleues par exemple. Voilà. Je vais chercher dans les magies. Hades, voilà. Si vous avez le niveau 5 Hades, c'est ultra rapide de farmer les poids de compétences ici. On va remettre. Hades, voilà. Et on y va. Bon, ici c'est. Voilà, c'est ici que vous farmez les points. Je suis juste de faire tac-tac. Vous avez des statues, vous lancez le sort, et basta, terminé. On n'en parle plus. Je vais donc faire les sous-sols et aller jusque notre chère invocation. Bien entendu, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Bon, petit souci. La porte est fermée à clé de l'intérieur. Recherche supplémentaire, il faut passer par la cave de Jackal. Ok, ça va. On va donc passer par la cave de Jackal. Bon, la cave est juste à côté, hein. Le château est là, la cave est là. Hop, voilà. Donc, censé y avoir en tout cas un passage pour aller jusqu'au château. Ok. Et à la fin de la grotte de Jackal, on peut grimper dans les basements. Dans le basement du château de Bâle. Ok. Ça, ça me serait peut-être trop marrant. Bon, je vais jusqu'à Oda. Hein. Et nous y voilà. Vous voulez vous amuser à moi? Je n'ai pas le temps de combattre des novices. Je vous accorderai une minute. Pas plus. Toujours d'attaque. Et on a vraiment une minute pour la battre. Je vais vraiment pouvoir me vaincre en moins d'une minute. Espérons. Je vous aurais prévenu. On a vraiment une minute pour la battre. Ok, déjà, on est bon ça pour aller là, ah ouais. Hop, ça c'est pour le comète. J'ai déjà cramé 40 secondes, là. Ou 300. Je pense pas que j'aille assez de temps, faudra que je recommence, je pense. Ouais, c'est ça. Temps écoulé. You died. Ok. On va changer un peu les classes. Ah bah non, elle a pas magie noire. Personne d'autre n'a magie noire que lui, donc il y a que Krill qui peut utiliser ça. Par contre, je peux... On a clairement vu que ça ne servait à strictement rien d'avoir... Chronos. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la classe. On va mettre en Navoc aussi. Avec second pour la magie blanche en cas de besoin. On lui met bien sûr du... ceci. Afin d'avoir le boost. En permanence. On fait... des popos pour pas cramer la mana. Et normalement j'aurais pas assez pour tout faire. Donc voilà. Allez. On recommence. On essaye en tout cas. Invoquer. Tac. Invoquer. Tac. La magie noire. Atomium. Invoquer. Tac.
Ouais, tant que de faire une deuxième. Encore que pas sûr. Ça suffit! Oh oui. À la seconde! À la seconde! À la seconde! Eh ben putain! Ah, ça fait du bien. Et c'est bon pour Roder. Est-ce que malheureusement je peux ouvrir la porte pour pouvoir sortir par les escaliers? Ce serait bien de le savoir, ça. Ah, on peut sortir comme ça. Parfait. Bon, et maintenant, en route pour sous l'eau et récupérer la troisième tablette. Et la troisième tablette se trouverait ici. Je suis déjà soigné et tout, donc ça va être parfait. La fosse sous-marine. D'ailleurs, voilà les deux statues de gargouilles. Ah, par contre, là, niveau des mecs, j'ai peut-être fait une connerie. Va falloir réussir à les buter ensemble. Je vais peut-être devoir fuir le combat. Ah. Elle le ressuscite qu'à la fin. Ok, ça va. Parfait, ça m'arrange. Ça ne le ressuscite que si j'ai pas réussi à les buter tous les deux dans le même tour. Ok, bon à savoir ça. Au plus profond des océans, enveloppé par les flammes, une tablette sommeille. Allez, un petit donjon supplémentaire, et quand on arrive à la tablette, on se retrouve. J'ai même pas fait attention que ça tournait toujours. Désolé, je pensais que j'avais fait un cut. Bon, je cut. Si ça veut bien cuter cette fois-ci. On arrive dans une zone. Déjà, je regardais. On a vu un lieu de nain. Laïa ! Nous ne sommes que 5, mais le 3 royaume est quand même le plus beau de tous. Ah oui, 5. Ok. Laïa ! Ralibo est en train de creuser un tunnel. Il dit qu'il pourra faire le tour du monde. Ok. Laïa ! Vous avez entendu parler de la lampe magique ?
Si vous la placez à l'endroit où elle a été créée, elle se remplira à nouveau. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, la lampe magique permet en fait d'invoquer dans un certain ordre Oda, etc. Bahamut, Oda, etc. Donc, et une fois qu'elle arrivait à terme, il faut aller la recharger pour pouvoir recommencer le cycle en fait. Je ne l'ai pas récupéré. Pas grave. Enfin, j'espère. Au pire, je vais la récupérer plus tard. Ok. Nothing new. Ah, c'est là. Ok. J'ai déjà pas mal de fric, donc je ne pense pas avoir besoin de tout ça. Et voilà, c'est bon. Merci. J'aime bien sauvegarder. J'aime bien sauvegarder. On ne sait jamais. Pourtant, il me semble que j'ai placé la compétence. Ouais, avec de là. Donc, je suis censé voir les passages secrets. Ah, bah, c'est parce que c'est pas un passage secret. Ce n'est pas un passage secret. C'est juste une grotte. Enfin, techniquement parlant, je suis déjà dans une grotte. Eh, hey, c'est l'eau, putain. Ah. Hey yo, je ne m'en étais jamais préoccupé avant, mais on dirait que quelque chose se passe à la surface. Je suis certain qu'il y a une forêt au-dessus de nous, là. Ah ouais, t'es là, quand même. Je sais pas si de base on peut... Ouais. De base, on était ici. Et là, le mec, avec la carte, on nous dit qu'on est là, avec le tunnel. Quand même! Quand même. Bon. La tablette, et je suppose un boss. Alors, je suis en mage rouge, mage noir derrière, mais ça me permet d'avoir un peu ce que j'ai besoin. Je vais vérifier. Ici, je me suis mis en enfin, mage rouge, donc elle a un peu de mage blanc et un peu de mage noir, par définition, c'est la définition même du mage rouge. Et la magie Chronos. Tandis qu'elle, elle a magie noire et magie blanche. J'ai mis Faris et Bartz en freelance. Il leur permet d'avoir deux armes contre-attaque et ici deux armes œil de l'axe. Même ça, c'est vrai que ça ne sera pas nécessairement utile. Qu'est-ce que je vois ? Contre-attaque. On va mettre aussi contre-attaque. Voilà. On ne sait jamais. Gwink gwink. X-Death nous envoie. Gwink. Ah, ok. Nous devons vous éliminer. Gwink gwink. Ce sont nos ordres, Gwink. 3 pour le prix d'un. Ok. Ils sont là en plus. Phobos, Tritonia, Negat. Ok. Aftonium. Cry. On va voir si ça y fonctionne. Pas du tout. Ok. Comme ça, on est au courant. Oh, joli! Planète. On va quand même faire un petit coup de magie blanche, hein, ici. Toujours être utile. Ah, il n'aime pas. Ok. Ok. Delta. Ok, c'est elle qui veut pas. Ok. Déclin. Ok. Magie rouge. On va devoir prendre ça. Oula, ça va être chiant. Elle lui peut pas faire grand chose. Ok. Donc en fait, si je veux faire brasier, ça va être sur lui, c'est ça que ça va faire des dégâts, ça passe. Moi je suis atomium. Hein.
Ne l'hésite pas sur le brasier avec ça. Ouch. Je dois viser d'éliminer les trois en même temps. Ouh là 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 là. Donc, si je dois viser les trois en même temps, oh ça va être dur, ça va être dur. Des figeurs, mais des... Ok. Donc le vert vient de revenir. En fait, pourquoi je l'attaque moi avec lui? Là, ce qu'on va faire, c'est on va mettre déjà les dégâts magiques. Pas grand chose. Et les dégâts physiques. Paris là, Bart, couleur rouge, là, Wild, okay, il y en a... Je peux pas faire un... Ok. Potentiellement... Ok, ça a soigné ce con là. Sur elle. Shit. C'est ce que je craignais. Ils ont tous un élément bien donné, hein. Ça va être pas évident. Après que je ne sais pas où j'en suis au niveau des dégâts magiques. Ce n'est pas grave, on va y arriver. Alors, ils ont 13 000 PV environ. Ouais, tu m'étonnes, crée la glace, oui, je veux bien, mais... Ok, on va leur jouer comme ça. Hein. Je peux limite en faire encore un. Lui, il reste quoi? Il reste 4 000 PV ici. Est-ce qu'il a bladage? Il n'a pas de bladage, donc je vais mettre bladage. Capiter le dernier. Enfin, je vais reparler là aussi, quand je pourrais. Mmh. Il reste 2000 PV. Magie blanche, on revient sur celui-là. Ok. Bon. Le truc c'est qu'il faudrait une grosse attaque. Est-ce que Sidéra je peux le faire sur tout le monde? Non, je peux pas le faire sur tout le monde non plus. Donc. Est-ce que ça passerait?
Il lui restait pas assez PV? What the? J'ai pas capté là. Je pensais que on l'avait éliminé un peu plus que ça quand même. Normalement ça passait maintenant et pas avant. Ah bah oui, les contre-attaques. Non, pas tout d'être, de Fija. On recommence. Pas le choix. 10 000 PV. On va y arriver. Ah oui, mais parce qu'en fait, il s'était régène avec la truc. Ok. Ensuite, nous, on pourrait y aller aussi. Mena, magie blanche. Let's. J'ai failli dire un autre. Bah, parce que mon fils n'est pas en bas, donc je peux le dire. Putain. Là c'est le problème, je pense que là j'aurais bien aimé avoir les invocateurs. Mais... Dis Léna, tu viens? Oui, merci. Magic Chrono, on va mettre le cube. Y'a pas des objets qui peuvent servir à ça? Pas d'objet qui permet, dommage. Donc 800 PV, faut faire attention. Ok. Bizarre, ok, merci. PV. Ok. On recommence. 4000 PV. En même temps, c'est il crée le feu. Lui, en fait, ils ont chacun un élément, c'est vraiment emmerdant. Shit. Ouais, j'enlève les contre-attaques. Est-ce que je peux pas fuir? Je vais prendre des invocateurs. Vous pouvez passer juste échapper, voilà. Vous me faites chier. Bon. Vous savez quoi, je vais mettre en pause, tout simplement, enfin en pause. Je vais continuer hors vidéo, parce que là je sais pas combien de temps ça va me prendre. Entre autres à cause des contre-attaques. Bon, j'en ai ras-le-bol, pour être poli. On va changer. Autant eux peuvent rester comme ça, j'ai aucun souci. Autant on a double apprentissage. Voilà. Voilà. Faites pas chier. Mais allez hop. Vous les mettez tous les trois en même temps? Faut les mettre tous les trois en même temps. Ok, ça va. Ça m'avait rien fait. Et ça, à part carapace et tout ça. Attends. Je tasserai l'autre aussi, mais. Ah. La vache. On va tester Syldra aussi, on sait jamais. Le drap, ça sera mieux.
Bon, je sais pas, pas grave. J'espère juste que avec Titan ça passera. Je sais pas. Parce que, vu que Titan a fait plus de dégâts au vert qu'aux deux autres. Parfait. C'est passé. Et voilà. Beaucoup plus simple. Parce que j'ai duré encore une demi-heure derrière. Ah. Oh! Joli! Ça j'aime bien. Enfin! Bon. Pour vous, ça a duré 27 minutes. Pour moi, ça a duré plus d'une heure. On se retrouve bien entendu lors du prochain épisode, j'espère que celui-ci vous aura plu. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnement, commentaire, le petit like, mais également la cloche de notification. Il y a au moins une vidéo par jour sur la chaîne. Et évidemment, prenez soin de vous en attendant. Bye.